Salut, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du Honor Magic 2. Enfin, elle est là, voilà, vous allez pouvoir découvrir notre vidéo test. Donc, ce téléphone est disponible encore, hein. J'ai eu quelques touches, tout ça. Donc, il est disponible pour les tipeurs. Donc, si vous êtes intéressé, que vous êtes sur Tipeee, vous recevez les mails. Voilà, je crois qu'on a mis 530, mais on va le passer à 500, voilà. C'est la version 828 qui est à plus de 620, je crois, sur AliExpress. Au moins cher, donc 500 euros, ce modèle 8 128 Go. Je vous avais donné déjà les caractéristiques durant le déballage, je crois, mais on va refaire quand même le point. Donc, si vous voulez aussi nous soutenir ou participer à l'avancement de notre chaîne, hein, vous pouvez mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, bien sûr, en fin de vidéo. Nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, maintenant Instagram. Voilà, on se met à l'actu aussi, on s'ouvre au monde. Vous pouvez partager nos contenus également. On vous met donc à votre disposition dans la description notre lien Tipeee si vous souhaitez faire un don. Voilà. Si vous faites un don, etc., vous êtes directement inscrit sur la liste pour les tirages au sort mensuels afin de gagner un lot. Donc ça peut être super sympa. Et ça vous donne aussi un achat prioritaire à des prix avantageux sur les smartphones qu'on teste et qui sont disponibles après la vente. Donc comme là, ce Honor Magic 2 à 500 euros pour les tipeurs si vous intéresse. Voilà, vous avez aussi notre option sur Tipeee. Vous pouvez regarder quelques petits clips vidéo qui nous feront gagner environ 6 centimes. Donc ça peut être sympa aussi. Voilà, donc tout ça, c'était la petite parenthèse. Donc on va s'attaquer à ce Honor Magic 2. Hein. J'ai passé presque 15 jours avec, hein, je crois, facilement. Donc c'est assez plaisant quand même. Hein. On avait vu déjà la première prise en main. Bon, là, on voit déjà qui fait les marques de doigts sans la coque. Hein. Déjà, un design super joli. Franchement, j'aurais aimé le tester aussi dans la version rouge un peu rose. Bon, c'est que les couleurs, mais moi, j'aime bien les couleurs. Donc, voilà. Tout simplement. Donc, on va se faire refaire les petites lignes de caractéristiques hein, de ce Honor Magic 2. Donc, il propose un écran de 6,39 pouces donc sur la face avant. Un écran AMOLED en 19 1,5 neuvième en 1080 par 2340, c'est du Full HD plus, voilà, et il fait à peu près environ 85% la surface avant utilisée. Donc on peut voir ici, on peut laisser découvrir le petit menton, hop, ici en bas. Sur le haut, on peut voir ici le haut-parleur, et donc il a la fonction bien sûr slide. Donc là j'ai mis la reconnaissance faciale, vous voyez, c'est quand même assez rapide. Ou alors on a le capteur d'empreinte sous l'écran aussi, qui fonctionne plutôt pas mal. On n'est toujours pas à du 100% non plus, hein. Mais ça fonctionne déjà plutôt bien. Voilà. Donc il propose le processeur, c'est le Kirin 980, le tout dernier qui est équipé aussi sur le Mate 20 Pro. Et le dernier Honor aussi qui est sorti, le Honor V20. Voilà, il est cadencé à 2,6 GHz. Pour le GPU, c'est le Mali G76 MP10. En turbo 2.0, voilà. Donc pas de capteur photo, vous l'avez compris, sur la face avant, hormis ici dans le slide. Voilà. Donc on va continuer, on va sortir de là. Donc pas de bouton, rien. Tout va se passer ici par des gestes. On pourra mettre la barre de navigation. Sur le bas, donc on a l'USB type C, les haut-parleurs, le micro. Sur les côtés gauche, on l'avait vu, on a il faut que je reprenne mon petit hop, extracteur. J'ai ma carte SIM Bouygues dedans. Tac. Donc, on pourra mettre uniquement deux cartes SIM. Voilà, pas d'extension de carte SD là-dessus. Donc, il faudra choisir son stockage directement à l'achat. Donc, là, on est sur du 128 Go. On est quand même assez tranquille. Sur la partie haute, on va retrouver le port IRC, le micro. Et ici, enfin, c'est un port. Je ne crois pas que ce soit un port IRC. Hein, je n'ai pas vu d'option télécommande à voir. Mais il fait office de capteur de proximité. Voilà, vu qu'il n'y a rien sur la face avant, le capteur de proximité va se trouver ici. Donc, vous voyez, si je mets le doigt, la partie empreinte ici disparaît. Parce que pour lui, il est dans le noir total. Donc, capteur de proximité là, volume plus, moins et power ici sur le côté gauche. Et sur l'arrière, on va retrouver trois appareils photo. Donc le premier 16 mégapixels ouverture 1.8, c'est pour la gestion du RGB. Le deuxième 24 mégapixels en 1.8, c'est pour le noir et blanc. Et le 16 mégapixels en ouverture 2.2, c'est pour le mode grand angle. Sur la face avant,
Trois capteurs photo également, 16 mégapixels, ouverture 2.0. L'autre, c'est un 2 mégapixels, ouverture 2.4. Et 2 mégapixels, ouverture 2.4. Plus après, on a la reconnaissance 3D pour le face unlock. Les bandes réseau sur ce modèle, c'est la B1, B2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 17, 19, 34, 38, 39, 40, 41. Pas de B20, pas de B28, vous l'aurez compris. Un Bluetooth 5.0, 3500 mAh de batterie en supercharge 2.0 40 watts. Un poids de 206 grammes. Donc il est quand même un petit peu lourd. 157, 3, 75,1 et 8,3. Ça, c'est pour les dimensions de la bête. Voilà, après, il n'est pas super épais. Donc on a l'option slide comme ça. Hein. Donc c'est plutôt sympa. Alors après, à voir avec le temps, à l'usage. Si ça s'use ou pas, il y en a qui pourraient craindre aussi l'incrustation de poussière ici, hein, qui pourrait rentrer là. Donc moi je souffle assez régulièrement aussi pour faire attention qu'il n'y ait pas des choses qui viennent se coincer, qui viendront rayer ici la coque. Donc cette option, ils l'ont choisie. Voilà, donc soit vous aurez le goutteau d'eau, la caméra pop-up, etc. On en a parlé. Donc c'est une autre option, une autre alternative comme le Mi Mix 3 et le Lenovo Z5 Pro. Donc pour avoir la possibilité d'avoir un full screen et les caméras donc cachées ici dans la partie slide. Donc après, ce qui est peu gênant, un petit peu gênant pour ma part à l'utilisation, c'est qu'on a souvent l'habitude de mettre le petit doigt ici pour maintenir le téléphone. Et quand on ouvre, ça peut gêner un petit peu. Voilà, donc il faudra se mettre à plat comme ça pour pouvoir l'ouvrir. Tout simplement. C'est juste le petit hic que j'ai trouvé. Sinon, bon, c'est intuitif, hein, il n'y a pas de souci, on ouvre, claque, on déverrouille, c'est assez rapide. Si je me mets comme ça, voilà, je déverrouille tout simplement, ou alors avec le capteur d'empreinte digitale. Mais j'ai trouvé juste la partie un petit peu gênante ici. Donc ça c'est bon, et il est également IPX2, c'est la protection contre les gouttes d'eau. Voilà, contre les gouttes, une petite protection qui fait un petit peu plaisir. Ça, c'est pour les caractéristiques. Allez, on va se regarder, on va commencer de suite. Donc après l'écran, bon, c'est un AMOLED, fluidité, tout ça, il n'y a pas de souci. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. On va regarder directement l'écran avec Display Tester. Bon, on ne trouvera pas de problème de pixels dessus. On va peut-être baisser un petit peu là. Voilà. Bon, les couleurs rendent pas bien, je ne sais pas pourquoi. Ça me le fait depuis un petit moment, pourtant, qualité vidéo sont bonnes, mais ça sort pas le même rouge que moi je vois à l'œil. Donc full screen assez sympa, hein. Le mouton, ouais. Le menton, pas très très gros hein, sur la partie basse. Et le téléphone vraiment, moi j'ai trouvé vraiment agréable à utiliser, super fluide et tout. Bon, avec 8 Go de RAM, hein, même avec le modèle 6 Go, ça devrait le faire aussi. Hein. Il ne devrait pas y avoir de soucis là-dessus. Donc voilà en ce qui concerne les photos réelles, un petit peu l'affichage. On va aller jeter un petit coup d'œil dans les paramètres. Donc téléphone de base qui est proposé avec le français. Le Play Store n'est pas intégré de native. Il faudra aller chercher sur le store Huawei, dans l'App Gallery ici. Taper Google Play ou quoi, et ça vous le sort directement, vous l'installez, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça fonctionne super bien. Allez, on va aller dans ici affichage. Après, tout est bien français. Quand on met français, tout est bien traduit. C'est plutôt bien. Donc, on va avoir ici le confort des yeux, bien sûr. On pourra le programmer aussi à une date de début, une date de fin. Le confort des yeux, taille de la police, le style de la police, la résolution de l'écran intelligente. Ça réduit automatiquement la résolution de l'écran pour économiser de l'énergie. On peut le désactiver ou non. Là, je suis juste en résolution Full HD. On peut mettre aussi en HD+, donc en mode faible, pour économiser un petit peu. On peut activer aussi l'affichage permanent. C'est un petit Always On Display, mais qui manque de fonctionnalité. Voilà, je suis passé par un Always On Display alternatif hein, sur le Play Store. Parce que celui-ci, il ne va pas nous mettre les notifications Messenger, etc. Donc, en vue de l'absence de la lettre de notification, je trouvais que c'est dommage que sur Always On Display soit pas plus complet. Voilà, on n'a pas toutes les notifs et tout sur l'écran de verrouillage, donc c'est un petit peu dommage. Donc ils disent permet l'affichage d'informations telles que la date, l'heure, même lorsque l'écran est éteint. C'est tout. On n'aura pas donc
les notifications à ce niveau-là. Ça, c'est un petit peu dommage. Donc voilà pour la partie écran. Le téléphone fait l'OTG, donc l'aide de notification, on a dit non, ça c'est sûr. Sinon, pour terminer à l'écran, c'est joli, c'est fluide. Voilà, c'est un bon rendu, c'est plutôt pas mal. Allez, on va regarder notre score en toutou. Alors, j'ai fait plusieurs scores parce que j'ai vu qu'il tournait normalement dans les 300 000, 300 000 points. Même quand on va dans le classement, il a 300 000. Moi, là, 269 000. Je l'ai fait plusieurs fois, hein. Je suis monté même à combien? 271, 271 ici aussi. Donc j'étais monté à 277 et j'ai pas fait la capture comme un con. Mais bon, après ça reste que du AnTuTu, ça n'empêche pas que voilà, on a le Kirin 980 qui est très très bon. Donc on va pas se fier non plus forcément au score de AnTuTu. Donc voilà, ça c'est pour la partie performance. Des scores en tout, on regarde un petit peu la ROM, ce qu'elle propose. Donc ici c'est suggestion. Donc dans le sans fil, on a le Wi-Fi, les réseaux, la gestion, les données, le VPN, les DNS privés, les connectivités. Donc on a le NFC. Ça c'est plutôt sympa. Hop, on va baisser un petit peu. Donc on a le NFC d'intégrer, ça c'est bien. On n'a pas la charge sans fil. Après, donc affichage, écran d'accueil, le son, les notifications, applications, batterie, l'équilibre digital, ça c'est la gestion du temps d'écran. Donc vous avez passé en moyenne 6 heures 3 minutes par jour sur votre téléphone cette semaine. Activez gestionnaire de temps d'écran pour en savoir plus. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça peut même nous dire le temps passé là sur Banggood, sur AnTuTu, dans les paramètres. Ça affiche vraiment tout. Il sait tout sur nous, le téléphone. Donc il est vraiment. Une partie intelligence vraiment pas mal, donc reconnaissance faciale, etc. L'empreinte, l'assistant intelligent. Donc on peut activer, faire glisser le doigt vers le bas. Donc moi j'ai activé directement le selfie. Sinon on peut mettre aucune fonction, hein, mais bon, le principal c'est d'ouvrir l'appareil photo comme ça directement ici. Ça peut être sympa. Sinon dans le système. Donc les mises à jour, oui. Navigation système, on pourra choisir donc soit les gestures comme je fais là en ce moment ou la barre de navigation ici, ou alors avec un dock, un petit rond de navigation. Je trouve que c'est plus sympa que les gestures et en plus ça reste super fluide. Donc ça c'est très bien. Donc après à propos du téléphone, on est sur la surcouche, c'est la Honor Magi la Magic 2.0, Magic UI 2.00, Android 9. Donc ici, on a bien, ils nous mettent bien le GPU Turbo, le Mali 980, tout ça, c'est ce qu'on a déjà vu. Donc en ce qui concerne les mises à jour, normalement dans les captures, est-ce que j'avais fait? Ouais, j'avais eu deux mises à jour. Ici, une de 10,41, un petit correctif hein, qui inclut des choses importantes, il disait. Et ensuite, une note de 241 MO. Donc UDAPT, qu'est-ce qu'il disait? Une stabilité du téléphone dans certains scénarios, etc., etc. Donc, mise à jour, OK. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, une ROM assez sympa, assez complète. Pas mal d'options. Après, on a même le gestionnaire de thème. On a le gestionnaire téléphone. Pour tout ce qui est partie virus, nettoyage, etc. Ça, c'est bon. On a l'application vidéo de chez Huawei. Après, on va retrouver. La partie santé, deux, trois applications, ça c'est une application chinoise que je ne peux pas enlever, sinon toutes les autres vous pouvez les sortir. Il n'y a pas de souci, le Game Center, les astuces, les phones clones, le e-voice, qu'est-ce qu'on a d'autre? La calculette, l'enregistreur, lampe de poche, le miroir. Le Trust Space, c'était quoi ça? Place vos applications de paiement, ouais, c'est pour sécuriser tout ce qui est application de paiement, donc ça peut être sympa aussi. La sauvegarde, etc. etc. Bloc-notes et tout. Donc c'est assez complet, le centre de notification ici. Ça c'est pas mal. Donc tout ce qui est de la ROM, tout ça on est bien. Donc ça on l'a vu, l'OTG c'est bon. Donc on va se faire la partie jeu maintenant. Allez, on se retrouve sur PUBG, comme ça on va aller voir un petit peu les paramètres graphisme. Donc on pourra monter en HDR, oui. Ultra HD non pas encore disponible. En ultra, on va mettre réaliste. On fait OK.
On se fait retour, on fait commencer. Comme ça, on va voir un petit peu la fluidité de ce Honor Magic 2. Allez, c'est parti, on va regarder tout ça. Donc là, il va falloir attendre un petit peu avant de pouvoir jouer. Les mecs, ils veulent se friter là. Allez, je les fracasse tous là. Hop, allez, on va sauter en parachute. Ouais, sinon, franchement, déjà, c'est super fluide, il n'y a rien à dire. Hop, on se fait la descente. Ça canarde déjà. Allez, on va les dégommer un ou deux, vite fait. Bon, en tout cas, c'est fluide. Oui, ça bombarde. Hein. Je sais pas où ils sont les mecs, mais bon. Bon, en tout cas, vous voyez, c'est fluide, il n'y a pas de souci. Ah, voilà, je me suis fait dégommer. Allez, ça c'est bon pour la partie jeu. Allez, en ce qui concerne l'appareil photo. Bon, on a déjà fait 2-3 photos au déballage. Donc, ici, donc on retrouve directement en haut, hop, l'option ici pour l'intelligence artificielle ou non. On avait vu au déballage que si on met en intelligence artificielle, on pourra faire que du 16 mégapixels en 4 tiers, alors que si je le désactive, on pourra aller en 24 mégapixels en 4 tiers. Donc à voir le plus raisonnable ou non, il y aura peut-être des moments où on n'aura pas besoin d'intelligence artificielle et d'autres oui, hein, tout dépend après hein, le goût de chacun. Donc on a le mode ouverture ici, le mode portrait, le mode photo, le mode vidéo. Le mode objectif avec, voilà, on peut rajouter un petit personnage. Si vous voulez vous amuser, on peut le placer n'importe où on veut, l'agrandir ou non. Donc lui, on peut le mettre sur le bureau si on veut, on fait une photo. Clac. Donc le mode AR et le mode plus. Donc on aura le mode artiste, mode pro, mode ralenti, le cliché nocturne, le light painting, le monochrome, le panoramique, l'HDR, le timelapse. Les filtres, documents, filigrames, panorama 3D, etc. Donc un large choix de modes de photo et de vidéo. En vidéo, on pourra faire du Full HD 60 FPS, du Full HD plus 19 5 neuvième et du 4K UHD. Donc ça, c'est bon. Si on ouvre l'appareil photo ici, on va aller voir. La résolution, on pourra aller sur du Full HD plus, donc pour la partie selfie. Donc ça c'est bon. En partie photo selfie, on pourra faire du 16 mégapixels en 4 tiers. Donc ça c'est good aussi. Donc il est assez complet, plutôt pas mal. Et je vous propose de suite de regarder un petit peu ce que ça donne en termes de photo nuit, etc., etc.
Le GPS, le premier fixe, 0 secondes instantanée, 29 satellites trouvés, 27 utilisés, donc un très très bon ratio, un bon score et super rapide en plus. Le deuxième fixe, pareil, 0 secondes, 30 et 26 utilisés et Maps qui fonctionne sans aucun problème là-dessus. Ensuite, en ce qui concerne les qualités de communication, audio-micro, ça va, c'est propre, rien à dire là-dessus. Donc maintenant, on va voir ce que ça donne en termes de micro ici. Donc on va se mettre. Et on va se mettre ici la musique, bien sûr. On va sur l'application directement. Donc, ici, je vais aller sur moi, sur tous les morceaux. Il y a des trucs, je sais pas, c'était déjà dedans. Je sais pas ce que c'est. Déjà, il a l'air bien collé, etc. Donc, là, je suis à moitié du son. Alors, est-ce qu'on a les effets sonores? Ça, ce sera avec le. Alors on voit que dès qu'on dépasse un petit peu la moitié du son, on perd un petit effet de basse. Le son est quand même fort, il a l'air assez propre. Et en jack, on a vu qu'on va pouvoir, hop, on va se brancher de suite en jack. On a vu qu'on avait une option pour faire des effets un peu à la Dolby. On va se mettre comme ça. Donc, on peut se mettre en mode automatique, ajuster automatiquement les effets sonores en fonction du contenu pour un rendu audio optimal. Après, on peut se mettre en audio 3D pour simuler la profondeur du champ de 3D. Donc ici. Ça, c'est avec les casques, ça doit être pas mal, hein. Mode rapproché. Donc ça, c'est simple. Merci. C'est ça que je veux faire. Ici, mode naturel, standard. On peut choisir aussi un type de casque, écouteurs, oreillettes, tout ça. Et avec la marque, bien sûr, les marques Huawei. Donc ça, c'est bien. L'equalizer aussi. On va pouvoir choisir un equalizer, pop, rock, etc. On peut booster les basses aussi. Ça, c'est pas mal, hein. Donc là, on verra qu'on a un très bon son. On aura aussi un mode fête. Là, il y a une application dans le téléphone aussi, le mode fête. Donc le réseau Wi-Fi actuel n'est pas pris en charge. Un point d'accès Wi-Fi a été créé. Nanana. Ah oui, j'ai pas en Wi-Fi. C'est pour ça. On va mettre la Wi-Fi ici. On va faire retour. Comment c'est le mode fête? On peut inviter des amis, machin truc. En fait, ça va gérer tout seul vos musiques. Ça va très certainement les mixer ou autre. Je sais pas trop. Si on avance un peu jusqu'à la fin. Qu'est-ce que ça va nous faire? Ouais, ça va passer des musiques à l'autre. Après, je crois qu'on peut partager en fait les musiques à se connecter via le NFC. On peut partager les musiques de plusieurs amis sur une enceinte, je crois. Donc ça peut être un truc sympa. Normalement, on le retrouve ici, le mode fête. Sélectionner local, régler le volume, etc. Ouais. Ça, c'est si vous voulez faire la fête, vous passez donc en mode de fête. Donc on a vu pour le son, c'est plutôt pas mal. Après, si en plus vous écoutez, vous êtes audiophile, vous avez un bon casque et tout, vous aurez pas mal de réglages. Et à mon avis, le son, il doit être assez puissant et plutôt pas mal, franchement. Allez, on regarde ce que ça donne en vidéo.
Nickel. Allez, partie vidéo, impeccable, rien à dire. La Wi-Fi, si je suis pas mal. Le réseau 4G, on a vu les bandes, hein. C'est des IMEI 1,86. Donc on répète les bandes, hein. C'est la B1, B2, B3, 4, 5, 6, 7, la 8, 12, 17, 19. Bon, après les autres, hein, 34, 38, 39, 40, 41. Il manquera donc B20, B28, hein, pour beaucoup d'entre vous. Moi, chez Bouygues, pas de souci. Ça fonctionne très bien. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre après comme application qui traîne? Ça, on a fait le tour. On va voir ce que ça a donné. Sur la partie autonomie. L'autonomie, j'ai fait la capture à 7h moins 10 le soir, j'avais utilisé 61% 10h, il me restait 35%. Donc en termes d'autonomie, ce sera une journée et demie. Bon, moi j'étais pas mal dessus. Une bonne journée et demie, ça c'est sûr, avec ce Honor Magic 2. Alors j'en ai pensé quoi? Moi j'en ai pensé, franchement, c'est un très bon téléphone. Après, est-ce que j'ai l'utilité du slide? Moi, je ne suis pas trop selfie, tout ça. Donc, bon, juste à la limite pour le déverrouiller. Et encore, bien plus souvent, je fais avec le capteur d'empreinte ici. Vous voyez qui reste quand même assez réactif, hein. Voilà. Parce que moi, ça me gêne un petit peu ici avec le doigt, en fait. Comme je vous ai dit, il faut mettre les mains comme ça, etc. On a un peu peur de le faire tomber ou autre. On ne peut pas changer le son aussi, je voulais vous dire, du slide. C'est dommage que ce soit pas personnalisable comme sur le Vivo Nex ou quoi. Quand la caméra pop-up sortait, on pouvait personnaliser le son. Sinon, prise en main, ça va. Le poids, il n'est pas non plus très très lourd. On s'habitue quand même. Le manque de LED de notification. Moi, ça me manque. Surtout que le Always On Display d'origine ne propose pas de notification pour Messenger, etc. Donc pour moi, la LED de notification, elle manque. Voilà, après c'est un avis personnel. Sinon, ça reste un très très bon téléphone, donc performant et tout. Après avoir, hein, comme tout le monde le sait, à l'usage ce que va donner ce slide, il faudra faire, hein, quand même attention à pas y mettre de la poussière. Tout dépend du travail aussi que vous faites, hein, à pas le trimballer n'importe où. Voilà, c'est pas un téléphone. Hein. Il faudra faire un petit peu attention à tout ça. Moi, je le souffle quand même un petit peu, hein, je nettoie pour enlever les plus grosses poussières. Hein. Après, on ne sait pas où ça part derrière. Donc voilà, juste voilà, moi la partie dommage qui n'est pas de LED de notification. Sinon, c'est un téléphone super fluide, agréable, beau en plus. Voilà. Dans le coloris rouge aussi, il est pas mal. Hein. Il empête plutôt bien. J'espère pouvoir tester prochainement le V20. Voilà. Ou le Nova 4 de chez Huawei. Hein. Voir un petit peu ce que ça donne, l'option aussi avec l'écran troué. Donc on aura plein d'alternatives après, par la suite, aux écrans full screen. Voilà, il y a plein d'alternatives. On a déjà l'Oppo Find X, tout ce qui est des Mi Mix, tout ce qui est des notch, des gouttes d'eau, etc. Donc là, ça vient compléter encore les gammes de tout ça. Voilà, allez, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Si j'ai oublié quoi que ce soit, vous pouvez me poser la question aussi, hein, sur le commentaire directement, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!